Franchement, ouais, donc. Et puis il y a ces tableaux étonnants que sont la foire aux vieux et le cheval crucifié. C'est très imagé, c'est très imagé, c'est très imagé, c'est très vivant. Parce que si vous voulez. En fait, c'était facile de le lire. Alors, avouez, parce que c'est tellement bien écrit que c'est jouissif, si vous voulez. Mais ce qui s'est passé avec Boris Vian, je pense, c'est que pour la plupart d'entre nous, l'homme qui a fait du jazz, qui a été le petit prince de Saint-Germain-des-Prés, qui a fondé le tabou, qui était people, on n'employait pas le mot à l'époque, mais qui était hyper people, tutoyant Miles Davis d'un côté, Juliette Gréco, c'était sa copine, etc. Enfin bon, il était... il a beaucoup défrayé la chronique, il écrivait partout, c'est un homme multiple, les vies parallèles de Boris Vian, etc. Tout cela... Et les 500 chansons qu'il a écrites et tous ses interprètes célèbres, tout cela a occulté un peu ce qui était au fond l'œuvre de Boris Vian, la grande œuvre de Boris Vian, c'est les romans. Et il a, alors là, c'est quand même étonnant parce que d'un côté, il était people et d'un autre côté, il n'a eu aucun succès pour ses romans. Il a été d'échec en échec, il a été humilié comme romancier et il a arrêté d'écrire des romans. Il a été humilié. Oui, mais c'était une époque où... Parce que l'écriture de Vian, elle est encore aujourd'hui subversive. On imagine bien dans les années 50, elle était encore plus à une époque qui était pas très tolérante avec la subversion en plus. Mais aujourd'hui, par exemple, l'arrache-cœur, c'est d'une actualité brûlante. C'est vrai. Mais oui, parce que du côté d'une tentative d'hygiénisme, d'ordre, d'abolition de la culpabilité, de la défense d'une consommation inconsciente, enfin non consciente, pas inconsciente, si le terme est un problème. Voilà, Vian, dans le début des années 50, dans le milieu des années 50, en écrivant l'arrache-cœur, décrit déjà ce dont quoi nous sommes aujourd'hui et ce dont nous sommes souvent incapables de nous distancier. Quoi. Et Vian, c'était un précurseur, un visionnaire, à mon avis, et surtout un très très grand écrivain. Alors revenons à la compagnie. Donc, vous pouvez un peu nous rappeler l'histoire de cette compagnie? L'histoire, ça ferait beaucoup de chapitres. Parce que ma compagnie préexiste évidemment à ma venue à Chartres, mais pour m'en tenir à la période chartraine, parce que autrement ça ferait trop long. Restons à la période chartraine. Donc ma compagnie est arrivée à Chartres en 93, était implantée au théâtre de Chartres à l'époque où j'en ai été le directeur, c'est-à-dire pendant une douzaine d'années, puis suite à une mésentente avec la mairie de Chartres, et notamment son maire. Ma compagnie a quitté le théâtre de Chartres et a repris sa liberté, car la mairie de Chartres n'aime pas trop les artistes libres, pour dire les choses de façon assez euphémique. Et du coup, la mairie de Chartres aurait bien aimé sans doute que nous quittions la ville, mais nous ne nous sommes pas laissés chasser. Et nous avons ouvert un petit studio de répétition et de représentation, minuscule, il est vrai, où on touche ce qu'on peut toucher comme public, place des Éparses, c'est-à-dire en plein centre de la ville. Mais récemment, nous avons eu la possibilité de faire un partenariat avec Mainvilliers, ce qui fait que ma compagnie est maintenant à une double implantation, toujours dans l'agglomération chartraine, à Chartres, ce que nous maintenons, avec notamment notre partenariat avec l'Esperluette, et les présentations que nous donnerons en décembre au studio des Éparses du spectacle Boris Vian que nous sommes en train de préparer, et au mois de juin du spectacle que nous jouerons à Avignon, Prométhée 2071, qui s'inspire de la tragédie grecque, et implantation aussi à Mainvilliers, où nous venons de jouer pendant une semaine Phèdre Jouvet d'Elbeau. Alors vous êtes partenaire avec Mainvilliers maintenant. Voilà, donc nous allons jouer Agnès 68 au mois de mars, et puis nous avons ouvert un atelier théâtral pour des amateurs à Mainvilliers, qui vient de commencer, où nous travaillons sur deux textes qui sont comme une incitation au théâtre. Un texte de Échille, le premier auteur tragique grec, qui est Agamemnon, le premier volet de la trilogie d'Échille, l'Orestie, et un texte de Boris Vian, justement, qui s'appelle
l'écarissage pour tous, le thème commun étant le désastre des après-guerres, si vous voulez. Travaillons ça, et il y aura une présentation publique à Mainvilliers, au mois de juin également, au même moment où nous créerons ici, alors toujours au studio des Épars, oui. Prométhée 2071, qu'on ira jouer après au mois de juillet au Festival d'Avignon. Très bien, eh bien merci. Merci à vous. Et j'espère qu'ils ne seront pas une dissuasion à lire ce chef-d'œuvre, mais au contraire une incitation, une débauche de lecture. Le jardin s'accrochait partiellement à la falaise et des essences variées croissaient sur ses parties abruptes, accessibles à la rigueur, mais laissées le plus souvent à l'état de nature. Il y avait des calaïos, dont le feuillage bleu-violet par-dessous est vert tendre et nervuré de blanc à l'extérieur. Des ormandes sauvages, aux tiges filiformes, bossuées de nodosités monstrueuses, qui s'épanouissaient en fleurs sèches comme des meringues de sang. Des touffes de révioles lustrées gris-perles, de longues grappes de garillas, crémeux accrochés aux basses branches des araucarias, des syrtes, des maillanges bleus, diverses espèces de bécabunga, dont l'épais tapis vert abritait de petites grenouilles vives, des haies de corps marin, de canaïs, de sancière, mille fleurs pétulantes ou modestes terrées dans des angles de roc. Épandues en rideaux le long des murs du jardin, rampant au sol comme autant d'algues, jaillissant de partout, ou se glissant, discrètes, autour des barres métalliques de la grille. Plus haut, le jardin horizontal était divisé en pelouses nourries et fraîches, coupées de sentiers gravelés. Des arbres multiples crevaient le sol de leurs troncs rugueux. C'est là qu'Angèle et Jacques Mort étaient venus se promener, là d'une nuit mal dormie. L'air frais de la mer nappait de cristal la falaise entière. En haut, à la place du soleil, il y avait une flamme creuse à contours carrés. Vous avez un joli jardin, dit Jacques Mort, sans chercher mieux. Vous vivez ici depuis longtemps? Oui, dit Angèle. 2 ans. J'avais des désordres de conscience, j'ai raté pas mal de choses. Il restait de la marge, dit Jacques Mort. Ce n'est pas fini avec ça. C'est vrai, dit Angèle. Mais j'ai mis plus longtemps que vous à le découvrir. Jacques Mort hocha la tête. On me dit tout, remarqua-t-il. Je finis par savoir ce qu'il y a dans les gens. À propos, pourrez-vous m'indiquer des sujets à psychanalyser? Il y en a plein, dit Angèle. Vous aurez la nurse quand vous voudrez, et les gens du village ne refuseront pas. Ce sont des gens un peu grossiers, mais intéressants et riches. Jacques Mort se frotta les mains. Il va m'en falloir des tas, dit-il. Je fais une forte consommation des mentalités. Comment ça? Je dois vous expliquer pourquoi je suis venu ici, dit Jacques Mort. Je cherchais un coin tranquille pour une expérience. Voilà. Représentez-vous le petit Jacques Mort avec une capacité vide. Un tonneau, proposa Angèle. Vous avez bu? Non, dit Jacques Mort. Je suis vide. Je n'ai que gestes, réflexes, habitudes. Je veux me remplir. C'est pourquoi je psychanalyse les gens. Mais mon tonneau est un tonneau des Danaïdes. Je n'assimile pas. Je leur prends leurs pensées, leurs complexes, leurs hésitations. Et rien ne m'en reste. Je n'assimile pas. Ou j'assimile trop bien, c'est la même chose. Bien sûr, je conserve des mots, des contenants, des étiquettes. Je connais les termes sous lesquels on range les passions, les émotions. Mais je ne les éprouve pas. Alors, cette expérience, dit Angèle, vous avez tout de même le désir de cette expérience. Certes, dit Jacques Mort, j'ai le désir de cette expérience.